Et YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Pulgon pour une petite vidéo du test du blindage de ce véhicule qui est le balai le blindé. Alors on va passer à l'armurerie pour acheter les dernières armes avec lesquelles on va tirer dessus. Ok, celle que j'ai pas, ça j'ai quelques munitions aussi, voilà. Ensuite en dessous là, voilà, ça j'ai sniper. I'll bet you'll be ready to use that the second you get out the door. Now you are prepared against government tyranny. Voilà. Tiens, tout le reste, j'ai. Voilà. Donc le test va se dérouler en plusieurs étapes. On va tester la solidité, des vitres, donc par rapport aux balles de pistolet, de fusil à pompe, etc. Ensuite la solidité des portières par rapport à si tu peux les péter facilement ou non. Et enfin la solidité par rapport aux explosions de lance-roquettes, de missiles, de toutes ces choses là. Voilà. Là, je vais juste vite à mon garage pour qu'elle soit réparée complètement. Voilà. Allez. Allez toi, petit toi. Voilà. Rentre dans mon beau petit garage. Mon garage il est vide, hein, je vous le dis direct, il est très très vide parce que je suis en train de vendre les véhicules, je vais m'en acheter des nouveaux. D'ailleurs, si c'est le cas, je pense que je vais le vendre aussi. Il me sert pas vraiment à grand chose. J'aime bien ce petit coin là. Voilà, il a rien. Je tape le mur, ça lui fait rien. Voilà. Et c'est parti alors. On va s'amuser, on va tirer. On va mettre comme ça. J'ai déjà commencé par cela. Je vais mettre une balle. Ça résiste. On change. Une balle, ça résiste toujours. Trois balles, ça résiste. Ça résiste. Quatre balles, c'est ok. Cinq balles, c'est ok. 6 balles c'est ok. Oula, celui-là. 7 balles c'est ok. Ah, 8 balles. À partir de 8 balles où j'ai changé tout mon chargeur, ça commence à être moins résistant. Voilà. À 9 balles, en prenant une balle de chaque pistolet, la vitre elle pète. Donc elle est plus résistante. Là, c'est à celui-ci. Voilà. Donc celui-là, c'est pas vraiment une arme. Donc voilà, donc on fait une tirer avec une balle de tous les pistolets que vous avez et ça pètera une fenêtre. Là oui. Voilà. Ensuite c'est là. Une petite rafale. Oui, c'est là. Voilà. Comme ça. Ouais. Ouais. Là. Là. Voilà. Voilà, vous voyez quand même, c'est pas une seule balle. Et qui part, c'est une petite rafale. Donc voilà. Donc là, on a tiré 8 fois, on va dire 3 balles. Ça fait quand même pas mal de balles. Et la vitre, elle est même pas abîmée. Donc, on va recommencer un petit coup. 9 fois. 10 fois. 11 fois.
12 fois. 13, 14, 15, voilà, 16. À partir de 16, tir de pistolet mitrailleur, ça pète. À l'avant, fusil d'assaut. Rafale, Kalash, M16, carabine, fusil amélioré. Voilà, bon, en fait, vous voyez, c'est des petites rafales. Je vais tirer un peu plus longtemps et là, je vais aller un peu plus fort. Voilà, comme vu que j'ai tiré pas une seule cartouche. Ah merde, j'ai tiré dans les fêtes de l'autre côté. Bon. Ça vise toujours, alors prêt, go. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tirs avec toutes les armes de fusil d'attaque et c'est toujours résistant. Encore. Voilà. Maintenant, on va passer au sniper. J'ai deux snipers, donc ça va être facile à voir. Prendre cette petite fenêtre ici. Une cartouche. Vous voyez quand même les différences d'impact entre ça et ça. 2, 3, 4, 5. À partir de 5 balles de gros sniper, ça pète. Ensuite, fusil à pompe. Je sais pas si ça va bien tenir ça par contre. Une grosse cartouche. Deux grosses cartouches. Trois grosses cartouches. 4. 5. Là ça va faire péter. Alors, on va pas peut-être prendre celui-là, on va recommencer un coup. Elle résiste pour l'instant à 6 grosses cartouches de fusil à pompe. Oh la 5, et on va vite essayer celui-ci sur la vitre de derrière. Pas mal résistant. Alors ça, vous savez quoi? Celle-là, on va laisser sur la vitre de derrière. Donc là, vous voyez, ça tire 3 balles. Une là, une au-dessus, une là. Ah oui, comme ça fait vite péter. Maintenant, bon, on va s'amuser un petit coup sur les pare-brise. Je vais buter. Voilà. On va s'amuser au... la mitraillette, tiens. Avec celle-ci que j'aime bien. Ouais, quand même, on me résiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bien résistant. Voilà, j'ai réparé mon véhicule et je reviens. Voilà, j'ai réparé mon véhicule. Oui, toutes les vitres sont nickel, tout est nickel. Alors cette fois-ci, on va essayer les explosifs. Les lance-missiles, alors explosifs. Combien de grenades elles résistent? Alors, on va déjà essayer avec les mines de proximité. Je vais en mettre un exemple juste ici. Voilà. Positionné au slide, donc là j'ai mis vers le moteur à l'avant, donc techniquement 3, 2, 1, voilà, vous voyez, un véhicule normal serait explosé, baradé juste à côté. On va mettre sur un véhicule normal, vous voyez là, elle roule toujours, hein, on peut toujours l'utiliser. Véhicule normal juste ici, je la jette, je la mets même pas vers le moteur, je vise, je tire, boum, plus de véhicule. Ça résiste à ça. Grenade. Donc, une mine puis une grenade. Voilà. Elle résiste à une mine puis une grenade. Un petit véhicule, chérie. Donc voilà, c'était un petit test pour vous montrer la solidité de ces véhicules. De ce véhicule qui est blindé d'origine. Je peux vous montrer sur le site. Et du transport. C'est pas un truc que j'ai blindé ensuite, vous voyez bien. Il y a la version blindée, version d'origine, ordinaire, la version blindée, qui est réellement blindée, oui. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein, de ce que vous pensez de la vidéo, ce qu'on peut améliorer. Donc voilà, allez, on s'éclate un petit coup pour la fin.
Allez, bye.